Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Maller. Émission préenregistrée le 11 septembre 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie, samedi 19 septembre 2020, de 18h à 21h, et réalisée par Philippe. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Chers auditeurs, bonsoir. L'émission est préenregistrée, comme vous l'a précisé le technicien de ce soir. Je serai très heureuse d'avoir vos commentaires et vos questions, évidemment, puisque, comme promis, je reçois aujourd'hui en première partie Pierre Hillard pour son livre « Sionisme et mondialisme » et en seconde partie Sylvain Durin, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre plusieurs fois, pour sa dernière publication, la dernière publication de sa toute jeune maison d'édition, les éditions du Verbe Haut, Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix. Alors, Pierre Hillard, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Bonsoir. Bienvenue. Je vais un petit peu, entre guillemets, cadrer l'émission pour pas que les auditeurs les plus sensibles sur le sujet sionisme et mondialisme se méprennent sur la teneur de l'émission à venir. J'ai souhaité vous entendre, vous recevoir au micro de Radio Courtoisie parce que vous avez publié en juin 2020 un ouvrage que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Alors, je dois confesser aux auditeurs de Radio Courtoisie que pour l'instant, je n'ai eu le temps de lire que la première partie. Passionnant parce que vous avez suivi, je pense, une passion et que, comme tout passionné, vous êtes attentif aux archives qui peuvent, à l'occasion, émerger, être mis à la disposition du public et que vous nous raconterez ça plus en détail. Vous avez pu vous procurer les carnets complets de travail du fondateur de la doctrine sioniste, Theodor Herzl. Et donc, je souhaitais vous entendre sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que le débat la question sur le sionisme ou l'antisionisme perle de temps en temps dans le débat public. Et évidemment, comme toujours, je trouve qu'il est bon d'adopter une démarche honnête qui consiste, avant de faire parler les anciens, les penseurs, à, si possible, accéder directement à leurs textes et à leurs pensées. Voilà. Et donc, je vous laisserai vous exprimer plus sereinement plus tard, mais j'invite vraiment les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet, et ce, quelles que soient leurs conclusions et leurs appréhensions, à prendre le temps de lire votre ouvrage. Vous avez l'honnêteté de séparer les citations des carnets d'Herzl et vos commentaires, les synthèses que vous proposez. Vous nourrissez, vous complétez en fait ces citations des carnets d'Herzl par de très nombreuses notes. Et donc, pour quelqu'un qui est peu formé, parce que j'avoue être peu formé sur le sujet, on peut très bien faire abstraction des intermèdes et se concentrer exclusivement sur les notes d'Herzl, pour ceux qui estimeraient que vraiment vos conclusions n'ont pas d'intérêt. Alors je pense, et je pousse un petit peu la discussion plus loin, je pense que ce serait une erreur parce que vous essayez de faire un travail, malgré vos passions et vos... Aucun historien n'échappe à sa curiosité personnelle. Donc effectivement, vous avez une approche qui vous est propre, qui est nourrie par vos recherches, mais il est intéressant de lire votre synthèse et de voir les liens que vous effectuez entre ces notes d'Herzl et la grande histoire, pour le coup, que nous connaissons tous, qui se déroule entre 1970 et là, les carnets vont jusqu'en 1910, mais c'est très intéressant de voir les carnets de la première partie. 1904. 1904, pardonnez-moi. J'avais retenu 1910, mais parce que je me disais que c'était aussi les racines de la question, des débats qui ensuite iront sur les débats de 14-18 et la fondation proprement dite de l'État d'Israël. Puisque, pour donner aux auditeurs la bibliographie complète de cette émission, je les invite à retrouver sur Internet, pardonnez-moi ceux d'entre vous qui n'avaient pas Internet, les émissions des archives d'Arte, qui sont tout à fait passionnantes. Il y a 2 émissions qui sont sorties cet été sur la fondation de l'État d'Israël, et puis une série d'émissions sur la colonisation en Israël, la question palestinienne, le Proche-Orient. Et en fait, votre livre... Quand on n'a pas d'a priori sur le sujet, quand on n'est pas énervé sur le sujet, permet en fait de compléter ce qui est dit et ce qui est évoqué dans ces 2 dernières émissions, d'ailleurs tout à fait passionnantes d'Arte. Voilà, notamment sur l'esprit des fondateurs et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Mais ça concernerait plutôt la deuxième partie que je n'ai pas tout à fait lue. Mais l'esprit des fondateurs est tout à fait intéressant, puisque c'est un débat que moi j'ai vu poindre à l'occasion de je ne sais plus quel débat télévisé sioniste, anti-sioniste, sur les grandes chaînes. Hein, donc, où on voyait bien qu'il y avait une séparation entre la question est-ce que l'État israélien est religieux, pas religieux. Voilà, donc ça ne sera pas traité dans cette émission, chers auditeurs. Là, on est bien sur une thématique historique, parce que avant de s'empoigner sur des courants de pensée, je pense qu'il est important de revenir aux sources des fondateurs de ce courant de pensée, ou alors, vous nous l'expliquerez sans doute mieux, des premiers à avoir clairement formalisé quelque chose, parce qu'en fait, le débat sur une terre réservée aux Juifs est un ancien débat. Voilà, c'est quelque chose qui traverse l'histoire. Vous pouvez vous fournir, passer commande pour cet ouvrage. Vous savez, chers auditeurs, que il est important de soutenir les librairies amies. Donc, en l'occurrence, cette émission arrive après la signature de Pierre Hillard chez nos amis de la librairie Vincent, ancienne librairie Facta, mais vous pouvez vous fournir les ouvrages auprès de ce libraire en commandant par téléphone. Je crois que leur site internet est en cours de construction, donc le plus sûr, c'est de commander par téléphone. Je vais retrouver mes petites notes et vous donner les coordonnées téléphoniques. Et puis chez nos amis de la librairie française, évidemment, dont je vous rappellerai les coordonnées effectivement en fin d'émission, pour que vous puissiez passer vos commandes auprès de ces gens courageux qui mettent à la disposition du public des ouvrages. Alors on trouve votre ouvrage sur la FNAC, mais à éviter, puisque c'est pas une librairie amie, et donc on souhaite... C'est différent. C'est ça. Voilà, je vous laisse la parole, Pierre Hillard, donc n'hésitez pas à bien présenter aux auditeurs un peu le mécanisme, comment vous avez trouvé ces documents, quel est l'intérêt historique qu'ils peuvent présenter, ceux qui seraient critiques, comment ils peuvent comparer votre travail à d'autres sources dont on est sûr que... elles sont fidèles à la mémoire du fondateur du sionisme, pour voilà, que j'espère faire naître des vocations, y compris sur les férus du sionisme, qu'on puisse au moins discuter sur une source commune. Voilà, je pense que comme dans tout débat moderne aujourd'hui, très peu de gens retournent aux sources, et donc j'espère que grâce à vous, nous pourrons retrouver un peu ces sources qui sont tout à fait passionnantes en matière de questionnement sur l'identité, l'intégration, l'assimilation, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie déjà lors de cette présentation. Je vais, pour la compréhension de ce sujet capital, mais délicat aussi, faire d'abord une présentation du cadre de ce livre. Il fait environ 500 pages. Il y a 280 pages de rédaction de ma part, et vous avez 220 pages d'annexes. 27 annexes, en fait 27 pièces d'archives. Vous en avez 22 en allemand, entièrement traduites en français, 3 en anglais, entièrement traduites en français, une en latin, c'est l'annexe 27, entièrement traduite en français, et une annexe en français, bon, elle ne bouge pas. Il y a exactement 779 notes de bas de page pour véritablement blinder, prouver ce que j'écris dans ce livre, puisque le titre c'est « Sionisme et mondialisme », ce sont deux termes qu'il va falloir définir, avec un sous-titre, « Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941 aux éditions Nouvelle Terre ». Alors, pourquoi 1895 ? C'est l'année de départ de rédaction des carnets complets du fondateur du sionisme, Theodor Herzl, et je vais présenter aussi ce personnage, jusqu'en 1941, c'est-à-dire que vous avez eu entre-temps la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, l'arrivée du nazisme à partir de janvier 1933, et une politique relationnelle entre nazis et sionistes, avec des hauts débats, jusqu'en 1941. Alors, j'ai véritablement voulu aller aux sources. Et à titre d'information, pour les traductions qui ont été faites de l'allemand au français, ou de l'anglais au français, etc., je me suis adressé à des professionnels parce que, certes, je lisais les textes, d'ailleurs je lisais, je prenais des notes et je répertoriais l'ensemble de ces documents et je classais les documents très importants, moyennement importants. Et ce que j'ai fait traduire, c'était vraiment les pièces d'archives essentielles. Et pour tout vous dire, je vais le dire, ces pièces d'archives, leur traduction m'ont donc adressé à une équipe de professionnels dont c'est le métier. Ça m'a coûté quand même plus de 6 000 €. Voilà. Et donc ça, c'est un élément important parce que c'est une discussion de méthode qui peut ressurgir, conscient que éventuellement vous pourriez mésinterpréter en traduisant vous-même certains textes. Vous avez veillé à passer par des professionnels, oui, qui fassent attention, dont c'est le métier, oh, oui, qui connaissent suffisamment, voilà, la langue, voilà, pour ne pas utiliser un vocabulaire qui date des années 1900 et le dénaturer en faisant une mauvaise traduction aujourd'hui. Voilà, des personnes qui maîtrisaient... Oui, c'est le métier, c'est leur métier, c'est de traduire des livres, des ouvrages en tout genre, dans différentes langues, et à Paris, vous avez l'embarras du choix, et je me suis dit, pour un sujet aussi important et qui est délicat, il faut le reconnaître, il faut s'adresser à des personnes sérieuses. Alors, la partie écrite, donc partie 280 pages, la moitié c'est consacrée au carnet complet de Theodor Herzl, et la deuxième partie est la relation entre sionistes et nazis de 1933, en sachant que j'ai évidemment expliqué la période qui précède l'année 1933, je ne démarre pas comme ça, et jusqu'au début des années 40-41 pour être précis. Bon, alors d'abord, sionisme et mondialisme, définir ces mots, et définir ensuite Theodor Herzl, qui est cet homme, pourquoi il a fait ça, etc. Alors, d'abord, le mot sionisme a été inventé au XIXe siècle par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. C'est lui l'inventeur de ce mot. Sion, sionisme. Mondialisme. Mondialisme, c'est un mot à ne pas confondre avec la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène naturel qui existe depuis que les civilisations humaines existent. C'est-à-dire que la mondialisation, ce sont des échanges de biens matériels en fonction du développement technique. Autrefois, au Moyen-Âge, la Renaissance, au XVIIIe siècle, c'était à pied, à cheval, en bateau. Et puis avec la révolution industrielle au XIXe siècle, les choses se sont accélérées, c'était le train, et puis vous avez eu les câbles télégraphiques à travers les océans, etc. Le rayon s'est étendu. Voilà, et la vitesse de diffusion de l'information et des biens transportés, et puis XXe siècle, les avions, et puis maintenant les satellites. En fait, la mondialisation n'est que le reflet des échanges économiques en fonction du développement des techniques. Et aujourd'hui, ça va très vite, et je dis toujours, sous forme de plaisanterie, que dans plusieurs générations, si on arrive à mettre en place des colonies humaines sur la Lune et Mars, ben vous aurez des échanges économiques entre la Terre et la Lune et Mars, et on pourra parler de mondialisation interplanétaire. La chose en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est simplement l'activité humaine, voilà, c'est un fait. Le mondialisme, c'est différent. Le mondialisme, c'est une tournure d'esprit avec des référents religieux, spirituels et philosophiques. Et c'est lié au sionisme. Car la finalité du sionisme, donc j'ai dit que ce mot a été inventé par Nathan Birnbaum, mais le sionisme en lui-même est une chose ancienne. Et lorsque je vais parler de Theodor Herzl, qui donc est celui qui a vraiment lancé l'idéal sioniste, il n'a fait que reprendre un idéal ancien. Et là, il a reformulé en fait des choses qui... adaptées à son époque de fin 19e siècle. Mmh. Alors je rappelle, Theodor Herzl, c'est 1860-1904, il est mort jeune à 44 ans, problème cardiaque. Alors, pour comprendre ce sionisme et ce mondialisme, avec ses références spirituelles, le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est que dans le cas du sionisme, c'est la volonté, fin 19e siècle, de créer un foyer juif en Palestine, à l'époque, territoire de l'Empire ottoman. Alors je rappelle, l'Empire ottoman à cette époque, ça couvre large territoire, la Turquie actuelle, et l'essentiel de la péninsule arabique, Syrie, Irak, Liban, l'État d'Israël d'aujourd'hui, Jordanie. Bien. Et l'idéal de ces personnes au XIXe siècle, et de Theodor Herzl en priorité, c'est de recréer un foyer juif en Palestine, foyer juif avec donc, aboutissant à un État juif, qui n'existe plus depuis l'an 70 après Jésus-Christ, avec la destruction du Temple par les troupes romaines du général Titus. Et la fuite, en fait. Et la dispersion, des Juifs, donc dans les contrées environnantes, puis peu à peu jusqu'en Europe. Bon. Et vous avez eu, de cette époque jusqu'à l'époque de Theodor Herzl, de multiples tentatives de la part de dirigeants juifs pour essayer de favoriser la renaissance de l'État d'Israël. Alors là, je vous arrête parce que j'ai appris, grâce à vous, donc je me permets de vous arrêter, que en fait, lorsque Herzl élabore ce projet, il est très minoritaire. Exact. Donc, ça va falloir en parler aussi. Je vous taquine un petit peu, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que des dirigeants juifs avaient déjà cette doctrine, j'aurais tendance à penser que c'était certains penseurs, c'était certains cercles d'ailleurs assez restreints, parce que lorsque vous l'évoquez d'ailleurs d'une façon tout à fait passionnante, il faudra qu'on cite ce passage lors de la première conférence où Theodor Herzl va présenter son projet. Il est refoulé de l'endroit premier où... La ville de Munich à l'origine. Voilà. Et l'annonce de son projet fait un scandale dans toutes les communautés juives. Dans certaines communautés. Oui. Parce que c'est ça qu'il va falloir, je parle du général puis peu à peu fragmenté, c'est qu'il y a de la part de certaines communautés juives cette volonté de recréer ce foyer juif, cet État d'Israël. Et vous avez eu... un exemple historique, à l'époque de l'Empire romain, la fameuse révolte de Shimon Bar Kokhba, 132, non plus 132 après Jésus-Christ, 132 à 135, il se révolte et il réussit à anéantir toute une légion romaine. Et l'empereur de l'époque, romain, qui s'appelait Adrien, l'empereur Adrien va mobiliser, je crois, entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour vaincre cette rébellion juive. Et donc, vous avez au cours des siècles, certaines communautés juives à vouloir établir un idéal de foyer juif en Palestine, d'un État juif. Oui. Alors, pourquoi je dis certaines? Parce que vous avez en fait deux grands courants qui vont traverser les siècles jusqu'à l'époque de Theodor Herzl, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous avez un courant qui dit que la renaissance de l'État d'Israël ne peut se faire que sous, j'allais dire, l'action divine, un action naturelle qui fait que Dieu permettrait la renaissance de cet État d'Israël. Et puis vous avez une autre faction juive qui estime que les hommes peuvent, des juifs à l'esprit, donc des personnes déterminées, peuvent relancer et vraiment créer cet État juif et se passer de l'onction divine, si je puis dire. Ah ben, si Dieu ne détruit pas l'État créé, c'est qu'il est d'accord. Voilà, et d'une certaine manière, mettre Dieu devant le fait accompli, ça y est, on a créé l'État d'Israël, ben maintenant, tu t'y opposes pas. Là, il y a une posture religieuse quand même dans ce que vous dites. Or, dans ce qui ressort des carnets d'Herzl... Toujours pareil, je vous taquine, mais parce que... Je ne demande que ça. Parce que c'est aussi ce qui ressort des débats de cette fameuse émission d'Arte, qui est tout à fait passionnante. J'en ai vu une, effectivement, cet été, très intéressante. De cet été, oui. Theodor Herzl a une posture assez finalement rationnelle, qui considère que les nations qui sont sur... Une nation sur un territoire, c'est le gage de la paix. Je reprends Arte pour faire un peu le contrepoint à éventuellement certains de vos propos, et puis que vous les éclaircissiez ou les précisiez, mais ils disent que Herzl, ce qui va fonder la réaction d'Herzl, c'est l'histoire de l'affaire Dreyfus. Exact. Et donc, lui, en tout cas dans ses carnets et parmi les notes que vous avez mises sous les yeux de vos lecteurs, il ressort que sa démarche n'est pas religieuse, elle est nationale, c'est-à-dire que c'est un peuple, une terre, et la question spirituelle ne transparaît pas par rapport aux extraits que vous avez donnés. Alors, il y a des nuances à apporter à ce que vous dites. Voyez-vous, quand on parle de ces milieux juifs, avec les différentes factions, vous avez les intermédiaires, les nuances. C'est vrai que Theodor Herzl, je vais reprendre très rapidement l'arrière-fond pour aboutir à... Parce qu'il faut impérativement comprendre ce qu'a fait Herzl et rappeler ce qui s'est produit avant pour comprendre son action. Theodor Herzl était un rationaliste, d'ailleurs, son personnage de référence était Spinoza, et qui avait été d'ailleurs condamné, il avait subi ce qu'on appelle le châtiment du hérem, une forme d'excommunication extrêmement brutale, exclu de la communauté juive de l'époque, Spinoza. Et donc pour Theodor Herzl, c'est une vision très siècle des Lumières, c'est d'ailleurs dans le terme en hébreu, c'est la Haskala. Les Lumières juives, c'est la Haskala. Donc un côté très, très rationaliste. Il n'empêche, et c'est là où il y a à la fois les faits que j'ai apportés, mais aussi les nuances. Parce que dans la vie, c'est rarement ligne droite, et surtout dans ce milieu-là, c'est que la veille du premier congrès tenu à Bâle, en 1897, Herzl, le rationaliste, se rend dans une synagogue pour obtenir les bénédictions. Donc vous voyez, il a beau être rationaliste et se rattacher à Spinoza, il n'empêche qu'à un moment donné, il demande les bénédictions. Mais tout... comme chez nous, la République a participé à la création du Sacré-Cœur, c'est-à-dire qu'on reste dans une société où une partie des intellectuels souhaitent être rationalistes, mais ici, ils ne veulent pas soulever contre eux toute la population, ils doivent quand même faire un petit peu amende honorable auprès des autorités religieuses. Oui, mais pas tous. Il y a ça, voyez-vous, oui. C'est ça il faut au cas par cas définir le comportement d'un tel qui est lui farouchement opposé. Là, je pense à un personnage historique comme Clémenceau qui lui était anticlérical à mort. Et voilà. Et dans le cas de Herzl, voyez-vous, ça a été de restituer les points forts, mais aussi les nuances. Et vraiment essayer de restituer de manière la plus fidèle la psychologie du personnage. Alors, avant de parler de ça, je rappelle l'arrière-fond absolument capital, le soubassement. S'il n'y a pas ce soubassement, on ne peut pas comprendre Herzl et la suite. C'est que pendant des siècles et des siècles, vous avez certaines communautés juives qui ont voulu restaurer cet état d'Israël par la force. Et donc, il y a eu des combats et des rivalités internes. Et au XIXe siècle, suite à la Révolution française, le réveil des nationalités, eh bien, ça touche aussi... le milieu juif, et vous avez certains rabbins, et c'est dans la première moitié du XIXe siècle, vous avez le rabbin Kalischer qui veut créer l'État d'Israël, et pour cela il va demander l'appui des Rothschild de Berlin. Et les Rothschild, à cette époque, sont sur la réserve. Et vous verrez tout à l'heure que les bagarres entre Herzl et Rothschild, c'était du cinglant. Mais il y a eu ensuite une réconciliation, mais aussi une réconciliation qui est avec des nuances. Bon. Donc, c'est tout l'arrière-fond. Il y a 2000 ans de combat entre une faction juive qui veut rétablir l'État d'Israël par la voie humaine. Avec toutes les nuances intermédiaires. Et une autre faction qui dit... hors de question, il n'y a que Dieu pour le faire, et donc on attend. Et si ma mémoire est bonne, le document qu'on trouve dans le Talmud c'est le code civil et politique et religieux de la synagogue, c'est le Ketubot 111a qui stipule que les Juifs n'ont pas à forcer la main, il n'y a que Dieu pour pouvoir rétablir l'État d'Israël. Alors, petite nuance et petite information aussi, toujours le soubassement, vous avez deux judaïsmes. Vous avez le judaïsme d'avant le Christ, qui va donner l'Ancien Testament. Alors, pour les Juifs, ça s'appelle la Bible hébraïque. Pour nous, catholiques, c'est l'Ancien Testament, qui annonce l'arrivée du Messie. Ça commence dès la Genèse 3. Entre le prophète Isaïe. Et pour annoncer l'arrivée du Messie, qui va être le Christ, fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, c'est l'union hypostatique. Le Christ est reconnu comme le fils de Dieu incarné pour les catholiques. En revanche... les Juifs n'ont pas reconnu le Christ comme le Fils de Dieu incarné, comme le Messie qu'ils attendaient. Et eux, ils attendent, les Juifs, depuis 2000 ans, leur Messie oui, au service d'Israël. C'est la grande différence. Le Christ, lui, est venu pour toutes les nations, pour tout le monde, peu importe la couleur de peau. Les Juifs qui ne reconnaissent pas le Christ comme fils de l'incarné, ils attendent toujours leur Messie pour la gloire d'Israël. Et je rajoute un élément, c'est que les musulmans, eux aussi, reconnaissent Jésus comme un personnage historique, et plus que cela, comme un prophète honorable et honoré, mais les musulmans, comme les juifs, ne reconnaissent en aucun cas ce Jésus comme le Fils de Dieu incarné. Petite précision, le mot « Messie » chez les musulmans n'a pas le même sens que chez nous. Chez nous, catholiques, Messie, c'est à la fois Fils de Dieu et Fils, enfin homme et Dieu. Pour les musulmans, ils utilisent le mot « Messie », mais c'est uniquement pour dire « homme ». Donc il y a chez les musulmans et les juifs, un point commun. C'est les débats historiques et théologiques. Voilà, et je vais préciser après. Pas, ah oui, je ne fais que reprendre. C'est pas le commun des mortels qui tient ce genre de propos. Et en revanche, les musulmans considèrent le Jésus comme un personnage éminemment respectable, comme un prophète, mais pas comme le Fils de Dieu. Et en réaction à cette non-reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu incarné, les juifs ont élaboré un autre judaïsme, qui est le Talmud, qui a été élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ, chiffre arrondi évidemment, qui est le code civil, politique et religieux de la synagogue. Ils vont reformaliser. Et c'est à nouveau. Et le Talmud est très important puisqu'ils disent eux-mêmes. Alors le Talmud, vous avez deux choses, vous avez la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, ce sont les écrits, la Gemara, ce sont les commentaires de ces écrits. Vous savez que là, on fait l'histoire avant Herzl et que moi, ce qui m'intéressait, c'était Herzl. Oui, mais je suis obligé. C'est un peu comme je fais une étude sur vous, je m'intéresse d'abord à vos parents. Oui, oui. Et là, le soubassement est capital. Et après Herzl, d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué. Et très rapidement, et pour vous montrer l'importance du Talmud pour les Juifs, je cite leurs propos. Ils disent que, donc je rappelle, Mishnah, ce sont les écrits, la Gemara, ce sont les commentaires de ces écrits. Ils disent, en parlant du Talmud, la Bible est l'eau, la Mishnah la Bible est l'eau, la Mishnah est un produit important. Et le Talmud, la liqueur aromatique. C'est-à-dire que vous... L'essence. L'essence. Et je crois que l'expression, c'est la liqueur aromatique. Pour vous dire que pour eux, la liqueur aromatique, le Talmud, supérieur à l'Ancien Testament, enfin, leur Bible hébraïque. Donc voilà, on va... Et donc c'est dans cette ambiance... Et c'est dans cette ambiance de rivalité interne et de rivalité messianique. Shimon Bar Kokhba se présentant comme le Messie. Vous allez avoir entre Shimon Bar Kokhba et, ça y est, on va arriver à Theodor Herzl, au moins 25 messianistes juifs. Shimon Bar Kokhba, mais vous avez eu au Kurdistan au XIIIe siècle ou au XIIe Al-Roi, et vous avez eu au XVIIe siècle Sabbatai, vous avez eu au XVIIIe siècle Jacob Frank. Theodor Herzl est le énième messianiste. Alors là aussi, une nuance à apporter. Il y a des moments quand on lit ses carnets où il se sent proche de cette idée, puis il y a d'autres moments où il récuse, il rejette, ça dépend. C'est un peu pour ça que moi, je me suis accrochée plus sur ce profil-là, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression, en lisant ces extraits de journal, qu'on avait plus affaire à un juif un petit peu comme nous, on a nos catholiques libéraux, c'est-à-dire que il trouve ses racines dans une culture juive qui lui a été transmise, dont il est héritier, mais son attachement, entre guillemets, sa foi ne ressort pas. C'est pour ça que moi, je l'ai reçu plus comme un fondateur politique, une démarche politique. Rationaliste. Alors, derrière toute démarche politique, il y a une vision du monde. Le mot religion, c'est la façon dont on se relie aux autres. Donc on peut très difficilement, c'est l'illusion des modernes, échapper aux religions de nos anciens. C'est important d'en être conscient. C'est très amusant d'écouter pendant des heures Michel Onfray, parce qu'il essaie de se rendre indépendant de la religion, et pourtant, quand on l'écoute, il est pétri, en fait, de culture chrétienne. On ne peut pas échapper en fait à nos racines. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, dans les notes que vous donnez d'Herzl, c'est que transparaît cette volonté qui a traversé toutes les élites intellectuelles. Alors ça, c'est assez rassurant de voir que ça n'a pas touché que les catholiques, mais ça a aussi touché les juifs, qui essayent de construire un monde indépendant de la question religieuse. Oui, ce sont des tentatives. C'est des tentatives, exactement. Alors, définir maintenant l'homme Herzl. Herzl, parlez-nous d'Herzl, parce que ça c'est important. Voilà. J'espère que suite à l'émission, les gens essaieront de rechercher un petit peu ce personnage. Donc parlez-nous de lui et puis après on le citera directement, parce que c'est ça qui va intéresser nos auditeurs. Mais on est obligé de partir du général et peu à peu. Parce que nous n'avons qu'une heure et demie. Et ça file très vite. Alors, Theodor Herzl, 1860-1904. Origine sociale. Il est né dans la bourgeoisie juive aisée à Budapest, une famille juive germanophone, parce que là aussi vous avez des juifs de différentes langues, et vous avez le yiddish, mais la bourgeoisie aisée parlait l'allemand, et ses parents vont quitter Budapest et s'installer à Vienne. Il fait des études de droit, et docteur en droit, et il va devenir journaliste dans un des plus grands journaux viennois, qui était la Neue Freie Presse, et pendant 5 ans, il sera journaliste, représentant ce journal, à Paris. Il parle très bien le français. Et d'ailleurs, dans ses carnets complets, ces carnets sont émaillés de mots ou d'expressions françaises. Et d'ailleurs, moi-même, quand je restituais ses propos, je précisais à chaque fois en français dans le texte pour vraiment, vous savez, rapporter la manière la plus fidèle jusqu'à la moindre virgule ce qu'il a dit et fait. Bon. Donc, c'est milieu aisé et un homme d'avance très intelligent, grande culture. Oui. Ça se voit à travers ses écrits. Et on va le voir quand j'ai lu ses carnets, un diplomate, il est psychologue, il sait s'adapter à ses interlocuteurs anglais, allemands, une souplesse. Bon. Et il va se marier. Il va se marier avec une personne issue de son milieu social, milieu aisé de la bourgeoisie juive germanophone d'Autriche-Hongrie. Elle s'appelle Julie Nachauer. Et là, question, ce couple, est-ce que ça a été une réussite ou pas? Le mariage de Théodore et de Julie, c'est un échec complet. Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Parce que tout simplement, ça transparaît dans ses carnets. Parce qu'il voulait divorcer. Mais à l'époque, le divorce, fin 19e siècle, c'était quand même difficile. Et ça, c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir loupé sa vie de couple, bien, on peut dire que le sionisme, la co-sionisme, cette volonté de créer un foyer juif en Palestine préalable à la création de l'État d'Israël, c'était d'une certaine manière, le sionisme, sa véritable épouse. Il aurait constitué un couple solide, il n'aurait pas passé son temps à courir en Allemagne, en France, en Angleterre, en Russie, en Égypte, parce que finalement, sa femme, moins il la voyait, mieux il se portait. Oui, mais vous savez que ça, c'est le défaut de tous les meneurs de courants idéologiques. Quand on repasse sur la vie de Marx et Hegel, je crois qu'il y avait... Marx a formé un très bon couple avec sa femme, qui était demoiselle von Westphalen. Ils ont formé un très bon couple, d'autant plus que son épouse, qui est une aristocrate, il y a une opposition, lui, petit-fils de rabbin, Marx, converti au protestantisme. Ils ont formé un très bon couple, ça, il faut le reconnaître. Donc c'est Hegel qui a, lui, une vie plus compliquée. Oui, et puis ne parlons pas d'Ingres Heine qui était très proche de ces gens-là. Donc vous voyez... Donc c'est un couple, il y a tous les cas de figure. Mais quand on regarde encore aujourd'hui les personnes qui sont allées, qui portent même aujourd'hui certaines doctrines qui sont à la mode sur la fin du monde par l'écologie ou des choses comme ça, c'est plus un sacerdoce que... Oui. Voilà, donc en fait il a choisi le sacerdoce... Il l'a choisi d'autant plus, alors peut-être déjà tout naturellement. Il était porté à ça, d'autant plus qu'on est fin 19e siècle, il y a un antisémitisme solide en Autriche-Hongrie, comme dans tous les pays européens à différents degrés, mais entre autres lorsqu'il y a l'arrivée d'un maire qui s'appelait Luckner à Vienne, qui était lui farouchement antisémite, vraiment ça se bagarrait. Donc déjà tout naturellement... Les questions sont vivaces. Voilà, disons que c'est un climat qui est vif et tendu. Donc... Herzl va se lancer au service de la co-sioniste, d'autant plus que son couple est absolument épouvantable. Mais vraiment, et ça, il faut comprendre. Il a quand même réussi à avoir 3 enfants. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, il y a une descendance. Un garçon et 2 filles. Dans l'ordre, il y a eu Pauline, Hans et Margarita, qui avait un surnom qui s'appelait Trude. Alors, avant de dire quelques mots sur les 3 enfants, je rappelle que Theodor Herzl est mort en 1904, 3 juillet 1904, et sa femme est morte 3 ans plus tard, en 1907. le couple, déjà humainement, ils ne s'entendaient pas, et les choses étaient aggravées dans le sens que la femme de Herzl, Julie, était folle. Et elle est morte en 1907 à l'hôpital psychiatrique de Vienne. Donc ça peut expliquer que son couple n'est pas marché. Alors, non plus. Ça explique beaucoup de choses. Alors, vous avez eu quand même 3 enfants. Quand vous avez 3 enfants qui naissent au sein d'un couple qui ne s'aime pas et qui, puis la mère est folle et meurt à l'hôpital psychiatrique, comment ils ont grandi? Pauline est morte au début des années 30 à Bordeaux. Elle était nymphomane, droguée, elle est morte. Vos sources, parce que ça... c'est dans le bouquin. Et donc lui, le cite, c'est des... Alors, comprenez, les carnets complets, j'ai d'abord cité exactement les propos de Herzl, et j'ai rajouté des informations supplémentaires pour... Et là, je le précise, là, c'est moi. Pour que les gens puissent vérifier, pas qu'on tombe dans... Voilà, il y a 779 notes de bas de page, et donc j'ai voulu... Ils pourront aller chercher j'ai mis, où vous avez trouvé vos informations. Ça, je veux dire, c'est officiel, c'est pas dit facilement parce que c'est désagréable pour certains, mais Pauline est morte overdose, et était nymphomane, et quand elle meurt à Bordeaux, on annonce ça, donc elle est morte de drogue, donc c'est drogue, on annonce ça à son frère Hans, qui épouvanté prend le train, arrive à toute allure à Bordeaux, et à peine arrivé dans sa chambre à Bordeaux, dans son hôtel, il se suicide. La 3e, Margarita, dit Trude, va se marier à Richard Neumann, là aussi c'est le milieu aisé. Ils ont un garçon, Stefan Theodor Neumann, qui est donc l'unique petit-fils de Theodor Herzl. Eh bien, sa mère Margarita devient elle aussi folle et elle va être déportée durant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration de Theresienstadt. Elle y meurt. Ça, c'est cité dans le document d'Arte, justement. Effectivement, le document que j'ai vu Arte cet été, il le précise. Auparavant, avant sa déportation, le petit garçon, donc l'unique petit-fils de Théodore, Herzl est envoyé en Angleterre, bien des années avant d'ailleurs, et il va d'ailleurs s'engager dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, mais... le petit-fils, devenu capitaine, donc en 1946, se suicide. Donc en fait, sur un lignage, la famille Herzl n'existe plus. C'est un drame. Elle s'est détruite. Alors, Theodor Herzl, problème cardiaque, son épouse morte folle, les 3 enfants, soit c'est drogue, soit c'est la folie, suicide, mort de naturel. La famille n'existe plus. Alors, après, j'aurais tendance à vous dire que, en général, quand on a un idéal et envie de combattre, c'est que on constate jusque dans son intimité des dérèglements et qu'on souhaite. Et on estime que il faut appliquer une correction pour sauver non seulement soi, mais le reste du monde. Oui. C'est quand même ça qui est à l'œuvre d'un certain nombre de passions politiques. Donc, c'est vrai. Enfin, quand même, il faut reconnaître qu'une famille qui se détruit... Oui, voilà, mais ça veut dire qu'on est quand même sur un terrain avec des gens qui sont passionnés, des gens qui sont sensibles. Et d'ailleurs, ça transparaît dans les notes que vous restituez. C'est intéressant de voir, au fur et à mesure de ces pérégrinations, Herzl a des contacts, il y a des approches qui sont... Il y a des accueils qui sont bienveillants, il y a des portes qui se ferment, et en fait... Alors, il y a tous les cas de figure. La façon dont vous avez sélectionné les notes, mais peut-être en scène, là, une fois de plus, je vous taquine un peu, mais peut-être en scène... Je tiens le coup. Pas des excès, mais on voit que c'est quelqu'un qui est très sensible et que... il est hors norme. Il s'imagine que demain... c'est pas tout à fait fidèle aux notes, mais un oui, ça veut dire que c'est bon. C'est gagné. L'affaire est gagnée. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a un rendez-vous, une personne qui l'accueille un peu froidement et il est désespéré. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réactions émotionnelles qui sont assez démesuré. En tout cas, on est sur... Alors, question. Là, on est bien sur ces notes intimes. Donc, c'est ce que lui pense de la situation. Alors, il faut présenter maintenant les carnets. Chers auditeurs, vous écoutez, pour ceux qui ont pris l'émission en route, vous écoutez Radio Courtoisie, vous entendez, qui essaye de répondre à mes questions, Pierre Hillard, qui jongle avec mes réticences sur certaines choses, et voilà, mais qui essaye de nous instruire. Il a sorti en juin 2020 aux éditions... Nouvelle Terre. Nouvelle Terre, un livre que je vous recommande, chers auditeurs, qui s'appelle Sionisme et mondialisme. Le grand intérêt de ce livre, c'est qu'il est appuyé sur la traduction en français des carnets du fondateur du sionisme, en tout cas la personne qui a cherché à monter, à construire une doctrine sur le sionisme, Theodor Herzl. Et je trouve que lorsque on entend aujourd'hui dans l'actualité un certain nombre de débats pointés sur la question sionisme-antisionisme, je pense qu'il est important de revenir aux sources. Et donc, je vous invite, quelle que soit votre position sur le sujet, à vous procurer ce livre et à lire attentivement les carnets intimes et les commentaires de Theodor Herzl et à suivre son aventure pour parvenir à ce rêve, car c'était un rêve de la création d'un État où tous les juifs pourraient se retrouver et avoir en fait ce besoin qui était considéré comme naturel dans les années 1900, une nation, une terre. À une nuance que vous apporte Anne-Laure, il va falloir expliquer maintenant les carnets, d'où ils viennent, etc. Quand Herzl, c'est dans cet écrit, souhaite donc l'envoi de juifs en Palestine, il y a une chose qu'il faut préciser, il ne dit pas tous les juifs, uniquement les volontaires. Oui, pardonnez-moi, j'ai manqué. Voilà. Mais il dit uniquement les juifs qui le souhaiteraient pourraient trouver une terre où s'installer. Il ne force pas la main. Il faut vraiment. Vous voyez. Alors, je vais présenter maintenant les carnets complets. Oui. Et parce que il nous reste 45 minutes, ça passe vite. Ah oui, mais rassurez-vous. Heureusement que je vous ai dit qu'on ne faisait pas les deux parties. Voilà. Mais alors, les carnets complets. Ah, d'abord, les carnets complets de Herzl. Donc, je rappelle qu'il est mort en 1904. Ces carnets, je tenais à les avoir, je les cherchais depuis des années. Il y a eu la publication d'extraits de ces carnets. Moi, à titre personnel, j'ai eu des extraits. Mais je voulais les carnets complets qui ont été édités par les autorités officielles sionistes, et il y en a deux, la Fondation Theodor Herzl et les archives centrales sionistes, siège est à Jérusalem, qui possèdent les originaux, les écrits de la main de Theodor Herzl. Et ça a été publié en 1960 dans une collection de luxe, dans un boîtier, vraiment une belle collection, avec 5 volumes, 5 livres. Ils font au total 2000 pages. En fait, sur les 5 volumes, vous avez 4 volumes qui sont les écrits de Theodor Herzl. Et le 5e volume, et ça je l'ignorais, et ça a été pour moi une satisfaction, c'est la rédaction sur 400 pages et la présentation des personnes rencontrées par Theodor Herzl, le sort de CV de ces personnes. Je ne connaissais pas les 3/4 de ces noms. Et la Fondation Herzl et les archives centrales sionistes donnent des informations sur des personnages rencontrés par Herzl, des informations connues que du milieu juif, voire même que du milieu familial de Herzl. Je vous cite un exemple. À un moment donné, dans ses carnets, Theodor Herzl rencontre un certain Alfred Spitzer, qui était l'homme de confiance, secrétaire des Rothschild de Paris. Comment il a fait pour rencontrer un personnage aussi important ? C'est la question que j'allais vous... Tout de suite, je prends le volume 5, Spitzer S, je regarde. La notice, elle est courte, mais elle pèse très lourd et... Cela explique les propos que j'ai tenus au sujet des origines familiales, vous voyez, ça s'explique, des origines familiales de Theodor Herzl. La notice de la chose suivante, Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Theodor Herzl. Donc vous voyez l'origine sociale de la famille Herzl et de sa mère, c'est la bourgeoisie. Aisée, mais aisée, parce que pour avoir comme contact l'homme de confiance des Rothschild de Paris, ça tape très haut. C'est la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie et la haute bourgeoisie. C'est la haute, très haute bourgeoisie avec des moyens. Ce sont des, comment dire, c'est des familles d'industriels, les Herzl à l'origine. Donc on voit, ce cinquième volume, une mine d'informations sur des personnages dont j'ignorais même l'existence. Oui, qui ont complètement disparu des mémoires. Mais qui ont joué un rôle capital et les connexions. Et donc les 4 volumes, ce sont des écrits. Alors, déjà une présentation... des carnets complets. Alors, j'écris cela dans l'introduction. Les carnets complets, ce n'est pas du Flaubert, dans le sens qu'il n'y a pas un côté littéraire. Non. Herzl, il se dépêche, il court après le temps. Il, Il parcourt l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, l'Égypte. Il a une énergie. La Russie, l'Angleterre, tout ça en train. Et oui, en train. C'est extraordinaire. Il voyait sa femme tous les X temps, ses enfants tous les X temps. Donc il couche sur le papier. Et voyez-vous, quand j'ai présenté ces carnets, je me suis dit, il faut d'abord, premièrement, synthétiser les 1600 pages donc, que j'ai lu crayon à la main en prenant des notes, en fragmentant ce passage capital à citer, l'autre... il raconte une anecdote, il a rencontré un de ses amis, il n'y a pas d'incidence, donc on peut soit l'évoquer ou même pas le dire. C'est vraiment, crayon à la main, reprendre, désosser. Mais quand je dis désosser, au sens que c'est ce que je faisais, c'est que je reprenais tous les textes et je désossais et suivre une chronologie et vraiment restituer la pensée intime et avec les nuances qui vont avec, parce que tout n'est pas en ligne droite, de ce qu'il a connu, de ses joies, de ses déceptions, de ces moments où il dit « ça y est », et de ces moments où il s'écroule. À un moment donné, il écrit en français, quand il retourne dans son bureau de journaliste, je suis adulé quand je rencontre des sionistes, mais en fait, ses admirateurs, et quand il retombe dans son métier de journaliste, bon, bah là, il doit supporter son supérieur qui ne l'aime pas, et il ajoute en français « cruel ». Voilà. Ce qui est assez intéressant, toujours dans la lecture de ces notes que vous exhumez, en fait, hein, pour l'instruction des lecteurs, d'abord, vous faites cet effort de replacer toujours la note que vous sortez, que vous nous communiquez, avec l'étape de la grande histoire qui est concernée. Donc ça, c'est passionnant parce que du coup, on suit Herzl, on a l'impression de suivre le héros d'une histoire et on suit Herzl. Alors d'accord, c'est un point de vue particulier, mais c'est comme dans un film, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage hors norme de la petite histoire et on assiste aux négociations sur la construction du chemin de fer pour l'Empire ottoman par les industriels allemands. Alors tous ceux qui, comme moi, se sont contentés d'avoir les formations en histoire du lycée, ça nous a bien été expliqué, les batailles qu'il y avait entre la puissance allemande et la puissance anglaise sur les équipements, les zones d'influence, notamment dans l'Empire ottoman. Donc c'est très intéressant à voir et on voit se composer au cours de ces notes une pensée plus précise, une conception plus précise, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a une idée au début des notes que vous publiez et à la fin des notes que vous publiez, il a, je ne dis pas une autre vision, mais il a affiné, éliminé certaines choses et il s'est concentré sur certains éléments qui lui paraissaient soit importants, plus utile pour pouvoir vendre son projet à d'autres, soit qui lui tenait à cœur. Voilà. Oui. Et donc, il a apuré son idée. A sélectionné les personnages. Alors, une petite précision, mon livre « Sionisme et mondialisme » aux éditions Nouvelle Terre, je tiens à préciser que c'est le tome 3. Le premier, c'est « Atlas du mondialisme ». Pour information, qui est réimprimé aux éditions Culture et Racines, et il sort le 2 octobre, donc édition Culture et Racines, Atlas, il est réimprimé, Atlas et mondialisme, donc Culture et Racines, 2 octobre. Tome 2, c'est Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, et là, le tome 3. Alors, le Herzl, il faut aussi le situer, donc fin 19e, début 20e siècle, dans la situation historique de l'Europe. Vous avez deux grandes puissances qui s'opposent, l'Empire allemand, la puissance terrestre, et l'Empire britannique, la thalassocratie britannique, l'Empire des mers. Et vous avez la volonté de la part de l'Allemagne, du Deuxième Reich, donc Guillaume II, de construire une voie ferrée qui va s'appeler le Bagdad-Bahn, Bagdad, la ville de Bagdad, Bahn, c'est la voie ferrée en allemand, partant de Hambourg, traversant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille du système, puisque la Serbie était opposée à l'Allemagne, l'Empire ottoman, et cette voie ferrée zigzagant à travers les vallées ottomanes, traversant l'actuel Irak, enfin à l'époque donc province ottomane, la région de Kirkuk-Mossoul, Bagdad, et d'aller jusqu'au golfe Persique, l'actuel Koweït. Et la finalité de cette voie ferrée, c'était avec en plus des raccords de voie ferrée allant sur les côtes de Palestine, le futur État israélien, le foyer juif. L'objectif des Allemands, c'était, on est fin 19e siècle, de contrôler la production et l'acheminement du pétrole, car on est dans la période de bascule, on passe du charbon au pétrole. Et il y a d'immenses réserves de pétrole, l'actuel Irak, Kirkuk et Mossoul à l'époque, et ça n'a toujours pas changé d'ailleurs depuis. Et vous avez au service de l'Empire ottoman des ingénieurs allemands qui sont en train de faire de prospection et qui disent qu'il y a des réserves de pétrole immenses. Donc, avec cette voie ferrée, Bagdad-Bahn et ses ramifications entrent vers la Palestine, possibilité de transporter ce pétrole. Et évidemment que le pays qui transporte, qui contrôle la production et l'acheminement du pétrole, bah c'est lui qui contrôle le robinet de l'énergie. Et c'est soit l'Allemagne, soit l'Empire britannique. Et pour couronner le tout, cette voie ferrée allait jusqu'à l'actuel Koweït, et les Allemands voulaient construire une base maritime, donc solide pour la flotte allemande, qui serait ensuite allée enquiquiner les Anglais avec l'Inde, la perle de l'Empire. Alors là, c'était le pompon, c'est chatouilleux, oui, nos amis, ils sont très jaloux de leur puissance. Bref, voilà. Et Herzl va, pardonnez-moi cette expression, faire la danse du ventre entre les autorités allemandes et les autorités anglaises. Il dit, il y a cette fameuse voie ferrée, ce foyer juif en Palestine, eh bien, s'il se fait sous la direction de Berlin, eh bien c'est l'Allemagne qui aura un pied-à-terre au Proche-Orient et qui sera en mesure de contrôler à la fois la production de pétrole en lien avec le monde musulman et cette base maritime, ou bien c'est l'Empire britannique. Et Herzl, et je vais citer ce passage de Herzl, page 73, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, il va avoir une bagarre au sein du mouvement sioniste dirigé par Herzl, entre certains sionistes qui veulent que ça soit ce foyer juif en Palestine sous la direction de Berlin, et une autre faction du monde juif sioniste souhaitant la même chose, mais sous la direction de Londres, enfin la City de Londres. Alors, permettez-moi, pendant que vous cherchez votre citation, moi je prends la mienne, je donne la mienne. Écoutez, c'est quelle page? Alors, c'est page 55. Ah, moi c'est 73. Pour comprendre, en fait, Herzl est un homme, comme vous l'avez dit, brillant, intelligent, qui a le sens de la diplomatie et de la politique. Il a bien compris que sans aide, sans être adossé à d'autres puissances, il ne pourrait pas incarner son rêve. Donc, pour vous montrer l'intelligence et peut-être qu'on reviendra dessus, la façon dont il se place comme une personne qui peut être de bons conseils, je vais lire aux auditeurs l'extrait que vous donnez de ces notes, donc, qui est dans votre livre, page 55. Donc, je rappelle aux auditeurs le livre « Sionisme et mondialisme » de Pierre Hillard, paru en juin 2020, qui, en fait, restitue les notes du fondateur du sionisme, en tout cas la première tentative de formaliser le sionisme, donc du fondateur qui s'appelle Theodor Herzl. Donc, je remonte un peu plus haut sur votre synthèse. La réussite de cette vaste entreprise passait par la création d'un État juif vassal en Palestine sous la suzeraineté du sultan. En retour, comme l'écrit Herzl, les Juifs les obtiendraient de se faire délivrer un prêt important accordé par eux-mêmes qui sécuriserait son empire. Tout cela avec, citation, « le soutien invisible d'une grande puissance », sous-entendu l'Angleterre. Herzl d'ajouter ce passage. Citation de Theodor Herzl. L'avantage de l'Angleterre serait que la voie ferrée se verrait immédiatement construite à travers la Palestine, de la Méditerranée au golfe Persique, en connectant celle-ci, du fait de des nécessités dues aux besoins de communication, à la Perse et au Baloutchistan, peut-être l'Afghanistan, puis à l'Inde. L'Angleterre obtiendrait ces avantages sans bourse déliée et sans que le monde apprenne sa participation. Pendant que dans le nord, la Russie est en train de préparer une ligne ferroviaire vers l'Asie, l'Angleterre aurait dans le sud une route de réserve neutre vers l'Inde au cas où les difficultés surgiraient du côté du canal de Suez. Lord Salisbury devrait examiner cette idée de très près et je suis à la disposition de son ambassadeur ou de lui-même à Londres s'il me convoque. Et oui. C'est très intéressant. Et je vais compléter vos propos par une citation un peu plus loin de Theodor Herzl qui comprend que ce qu'on veut dire, ça va se jouer entre l'Allemagne et le monde britannique. Et Et le problème, c'est ce foyer juif, c'est Berlin ou Londres. Et je cite Theodor Herzl. Donc c'est suite à un de ses entretiens avec un des conseillers proches de Guillaume II, l'empereur Guillaume II, qui est le grand-duc de Bade. Suite à cette conversation avec le grand-duc de Bade, Theodor Herzl écrit ceci. « Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai, arrivé à ce point, la conclusion de ces diverses successions d'idées. La question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise ?» Ça y est. Ce foyer juif avec ce contrôle pétrole, c'est Londres ou Berlin. Je continue la citation. « Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. » Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec votre Altesse Royale, il part du Grand-Duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettres allemand. Que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue, de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur, Guillaume II, de la part de Sa Majesté l'Empereur concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente, en opposition avec ceux qui considèrent une protection anglaise comme souhaitable. Donc il y a déjà une opposition interne entre les sionistes pro-allemands et les sionistes pro-anglais. Et, Herzl ajoute, il convient de prendre une décision à brève échéance. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière conforme au droit civil avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et, écoutez bien, à une date ultérieure, peut-être une sorte de coprotectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications et les difficultés qui pourraient alors surgir. Je donne la référence, volume 2, page 775-776. Voilà, en fait, Herzl a parfaitement pigé que cet idéal de foyer juif en lien avec les voies de communication, le pétrole, etc., l'aspect stratégique, c'est Londres ou Berlin, et il va falloir s'entendre, et il espère un accord germano-anglais, mais qui peut prévoir, et effectivement, à un moment donné, un des conseillers intimes de l'empereur Guillaume II, qui est von Eulenburg, lui dit à un moment donné, et c'est dans ses carnets, « Nous n'allons quand même pas faire la guerre, nous, Allemands, pour le sionisme ». Et c'est en fait ce qui s'est produit parce que la guerre de 14, c'est ça qui a définitivement mis, je veux dire, les pays au pied du mur. Avec la défaite allemande en 1918, toute cette zone qui allait donner Irak et Koweït leur échappe. Et d'ailleurs, élément révélateur, l'organisation sioniste allemande mondiale, parce qu'il y avait l'organisation sioniste allemande en Allemagne, mais l'organisation sioniste mondiale jusqu'en 1920 est à Berlin. Et en 1920, ils s'installent à Londres, les patrons. Puis-je vous poser une question qui nous a été posée à nous, catholiques? On nous disait, le pape, combien de divisions? Les sionistes, combien de divisions? Vous avez une idée ou pas? Là, vous m'obligez à parler presque de la deuxième partie. Parce que, en fait, les juifs sont opposés entre eux, mais les sionistes sont minoritaires. Donc, voilà, c'est ça qui... Et, pour vous donner une petite idée... En 1933, les sionistes allemands, dans le cas de l'Allemagne, ne représentent que 2% de la population, de la communauté juive allemande. D'accord, 2%, donc 2%, ultra minoritaire. Ultra minoritaire, mais il y a une grande différence. Pourquoi ils vont jouer un rôle important en liaison avec les nazis? Parce qu'il va y avoir une tentative avec ce qu'on a appelé l'accord de la Havara d'août 1933. Oui, mais là, vous dérapez sur ma deuxième partie que je n'ai pas lue. Je rajoute ce petit élément, c'est que les sionistes allemands avaient une représentation à l'échelle planétaire, l'organisation sioniste mondiale. Les mouvements juifs allemands se considéraient comme assimilés et donc ne considéraient pas... Ils étaient en Allemagne, point barre, ils ne cherchaient pas à avoir une représentation planétaire. Parce qu'il y a une faction du monde juif qui regarde du côté de la Palestine, donc une vision planétaire des choses, et puis vous avez une autre faction de juifs assimilés suite à la Révolution française, les fameuses Lumières juives qu'on appelle la Haskalah, eux, ils se considèrent, les juifs allemands, se considéraient comme allemands, donc pas la peine d'avoir une organisation planétaire. Voilà, il y a toutes les nuances, et ça existe donc dès l'époque de Herzl. Voilà. D'accord. Alors, Pour continuer, pour bien voir aussi les manœuvres qui sont à l'œuvre. Alors, on est en politique, hein, donc c'est normal, en politique, on ne publie pas ce qu'on fait et on essaye d'avoir plusieurs fers au feu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les différents... On ne joue pas aux échecs dans cette affaire, on joue plutôt au jeu de Go, c'est-à-dire qu'on occupe des territoires. Donc on essaie de se mettre à des carrefours où on va occuper l'espace le plus important à partir du carrefour. Donc là, on continue, on fait un petit saut de puce à la page 79. Dans une lettre adressée à Nuri Bey, le secrétaire turc aux affaires étrangères, Herzl, lui fait part des souhaits émanant du 3e congrès sioniste avec de nombreux sous-entendus. Je cite donc l'extrait de la note d'Herzl. Permettez-moi de vous souligner brièvement l'état actuel de nos affaires. Depuis le dernier congrès à Bâle, le mouvement a commencé à se pencher sur Chypre. Voyant que le gouvernement turc ne semble pas disposé à convenir d'un accord avec nous, les congressistes, veulent se tourner vers une île qui est contrôlée par l'Angleterre et qui nous est accessible. Après plusieurs années, les immigrants deviendraient des citoyens de plein droit, jouissant d'une large autonomie. Donc c'est la partition du pays. Jusqu'au prochain congrès, je serai encore maître de la situation. Mais si je n'ai rien à montrer à ce moment-là, nos plans tomberont à l'eau, celle de Chypre. Il appartient aux hommes d'État de Turquie de comprendre suffisamment à temps les avantages qui ruisselleraient entre les doigts. Vous n'avez pas voulu d'un établissement juif en Palestine qui vous aurait immédiatement apporté un grand accord financier, à savoir la remise d'aplomb complète de votre situation financière, une marine moderne, une vie industrielle et commerciale et finalement le bien-être de l'Empire. Mais si vous n'avez pas une colonisation juive à votre profit, vous aurez une colonisation par d'autres qui vous coûtera cher. Vous ne serez pas en mesure de refuser l'immigration des nations amies. D'une concession à une autre, étape par étape, vous serez obligé d'abandonner par des mots aimables et des poignées de main ce que vous auriez pu obtenir à travers de réels bénéfices. Les autres sont intéressés au fait de vous rendre de plus en plus faibles, tandis que nous, au contraire, sommes intéressés à vous rendre de plus en plus forts. La souveraineté de Sa Majesté le Sultan, qui aurait avec nous été forte et durable, deviendra, grâce aux capitulations, une formalité qui finalement disparaîtra comme pour la Crète. Je vous en prie, acceptez ces mots graves et sincères venant d'un ami dévoué qui ne cache pas le fait qu'il a en vue les propres intérêts de son peuple, mais ceux en accord complet avec les intérêts de la Turquie. Afin de rétablir la patience et le courage des sionistes, il est indispensable que je sois reçu le plus tôt possible par Sa Majesté le Sultan et j'expliquerai ainsi nos projets loyaux et avantageux. Extraordinaire quand même. Extraordinaire. Donc on a quand même 3 lettres à 3 puissances différentes. Oui, en sachant que l'Empire ottoman était soumis à l'Allemagne. Oui. Donc en fait, Herzl jongle en priorité entre l'Allemagne et l'Angleterre. Évidemment, il se rend plusieurs fois auprès du sultan. Et c'est intéressant de voir, il le dit d'ailleurs, il y a une corruption profonde au sein de l'Empire ottoman et il y a des moments, il ne sait plus sur quel pied danser entre ceux qui sont dévots au sultan, ceux qui le sont en apparence mais qui en fait sont liés à un mouvement très important qui s'appelle le mouvement des jeunes turcs, qui est une branche de ce fameux mouvement messianiste juif. Et Herzl va profiter de ces jeunes turcs pour, en passant par un jeune turc qui était à Vienne, qui connaissait le ministre de la guerre ottoman, qui était lui aussi sympathisant jeune turc. Je rappelle que les jeunes turcs renverseront le sultan en 1908, donc 4 ans après la mort de Herzl. Donc c'est très intéressant de voir, en fait, dans les carnets, je vais utiliser un mot, non pas l'état profond de l'Empire ottoman, l'état profond russe, l'état profond allemand, etc. Mais les états profonds de chacun de ces pays. Les liens d'amitié. Oui. Et les rivalités internes. Et c'est effarant de brutalité, de coups bas. Et d'ailleurs, à un moment donné, Herzl se plaint terriblement de l'opposition de certaines factions juives à son projet. Mais il le dit, d'ailleurs il utilise le mot, il se plaint de la vilainie, du comportement de certains, et en particulier d'une branche qu'il déteste, il utilise des mots très durs, avant qu'il y ait une réconciliation, les Rothschild. Et il va avoir cette réconciliation avec les Rothschild, quand je dis les Rothschild de Londres. Et il y a un événement qui se passe. Vraiment, il y a une bagarre entre les Rothschild et Herzl. D'ailleurs, c'est bien ça, Herzl essaye de rameuter autour de lui les petits banquiers juifs contre Rothschild. Il écrit ça lui-même, hein. Ça ne va pas se faire. Et il y a à un moment donné cette réconciliation. Et là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais avec des nuances et des sous-entendus, ce n'est pas toujours en ligne droite. Mais bon, entre Rothschild de Londres, et il se passe un événement extraordinaire. Quand j'ai lu ce passage, j'étais content d'avoir écrit le tome 1 d'Atlas du mondialisme, hein, donc je répète, qui va être réimprimé, qui sort aux éditions Culture et Racines le 2 octobre. Et je tiens à raconter cette anecdote révélatrice. Lorsqu'à Londres, Theodor Herzl rencontre le fameux Nathan de Rothschild. Au début, ils se bagarrent un peu entre eux. Et au cours de la conversation, Nathan de Rothschild propose à Herzl déjeuner dans le splendide appartement donc, des Rothschild. Et Herzl accepte. Et il va en plus déjeuner avec différents membres de la famille Rothschild. Et il y a, au-dessus de la table à manger, un très grand portrait de Guillaume de Hesse-Cassel. Alors, avant de vous donner, vous citer ce que raconte Herzl, je suis obligé en quelques secondes de vous expliquer l'importance de la lignée et des successions. Ces élites juives ont une mémoire longue. Ce qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, eh bien, c'est comme si c'était avant-hier. Comment les Rothschild ont-ils émergé? Au XVIIIe siècle, le père fondateur, c'est Mayer Amschel Rothschild, qui va être en contact avec une très grande famille princière et les deux frères, Charles et Guillaume de Hesse-Cassel. Charles de Hesse-Cassel va être à la tête d'une organisation messianique, héritée de Jacob Frank, ce qu'on appelle les frères asiatiques. Et son frère Guillaume était, on est fin XVIIIe siècle, la plus grande fortune d'Allemagne. Et au moment de l'invasion, donc je rappelle que les deux frères, Charles et Guillaume, étaient en plus les fils par leur mère du roi d'Angleterre, en lien avec la cité de Londres. Il faut toujours rappeler ça. Au moment de l'invasion des Allemagnes, Saint-Empire romain germanique, par les troupes napoléoniennes, Guillaume de Hesse-Cassel s'enfuit à Londres et il va confier la gestion de son immense fortune à Mayer Amschel Rothschild. Il lui dit en gros: si vous sauvez ma fortune, les dividendes à mon retour, c'est pour vous. D'accord. Mayer Amschel sauve la fortune de Guillaume de Hesse-Cassel, et lorsque ce dernier revient, il tient parole et les dividendes reviennent. Alors, pas à Mayer Amschel parce qu'il meurt en 1812, mais à ses 5 fils. Et sa descendance. Et toute la descendance. Oui. D'où ce portrait de Guillaume Cassel dans la salle à manger des Rothschild. Et il y a, au moment où il passe à table, un des Rothschild qui dit à Herzl, en désignant le grand portrait représentant Guillaume de Hesse-Cassel, d'abord le Rothschild en question rappelle la liaison étroite de son arrière-grand-père, Mayer Amschel, avec Guillaume de Hesse-Cassel, en parlant de cette relation fructueuse, et ajoutant ceci, que si cette collaboration ne s'était pas faite, nous ne serions pas ensemble ici en train de déjeuner. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et c'est frappant de voir comme cet événement, fin 18e, début 19e siècle, on se retrouve en 1902, et ces Rothschild de Londres ont la conscience de cette continuité dans le temps. Il y a une mémoire. Et quand j'ai lu ça et j'ai mis évidemment les références. Alors revenons, et la citation d'Herzl pour placer. Alors il y a un élément qui est amusant, qui m'a fait sourire. Vous prenez une phrase. Donc là c'est toujours pareil. On peut discuter parce que une phrase pour le coup. J'essaie de pas trahir quand je prenais ça. Mais quelle page ? Donc c'est page 84. Pour montrer quand même qu'on n'est pas sur quelque chose de monolithique, de calculé, de déterminé. Page 64 donc de votre livre Sionisme et mondialisme. 84. Herzl dans ses notes. Donc, alors, il faudrait que vous expliquiez peut-être à qui il se confie, mais l'extrait dit « Je dois être sur mes gardes face aux Rothschild. Ils s'immisceront afin de prendre le contrôle de l'État juif. » Alors Et ça fait écho avec une autre petite note qui précède où Herzl explique, et là on repart sur ses passions personnelles, il est bien conscient qu'il a besoin d'alliés, il y a des notes précédentes, mais il craint un petit peu que son rêve lui soit volé. Donc il fait déjà, même dans ses associations avec certains rabbins juifs, il est déjà particulièrement prudent dans ce qu'il fait et ce qu'il dit, parce que il voudrait avoir une postérité sur ce projet-là et ne souhaite pas que cette postérité lui soit arrachée d'une quelconque manière. Oui. C'est pas... Alors là, c'est moi qui fais une synthèse, chers auditeurs, ça n'est pas rédigé comme ça, mais quand on lit les différentes notes d'Herzl, on le voit, mais ce qui est normal. Quelqu'un qui a un beau projet comme ça, qui dépense tant de temps pour créer un espace... où il espère que les personnes qui font partie de sa nation seront heureuses. Il n'a pas envie que le projet soit dénaturé ou volé, entre guillemets, par d'autres personnes. Enfin, ce n'est pas propre à Herzl. Donc, il est quand même assez méfiant. Il n'a pas grand respect, puisque la page suivante, vous citez « Le chemin snob menant au Rothschild serait celui passant par le roi d'Angleterre ». Ce n'est pas franchement bienveillant C'est terrible. Et voyez-vous, la phrase que vous avez citée, donc je dois être sur mes gardes face aux Rothschild, ils s'immisceront afin de prendre le contrôle de l'État juif. Ça, c'est ce que je précise tout de suite avant, où il est à Londres avec un banquier juif qui s'appelle Francis Montefiore, qui est le président de la Fédération sioniste anglaise, parce qu'il y a des subdivisions nationales, et la maison mère de l'Organisation sioniste mondiale qui chapeaute l'ensemble, et qui est donc à l'époque à Berlin. Et donc, vous avez des bagarres entre différents clan financier juif, et à un moment donné, et là je vais citer un très court passage de Herzl, page 96, où il se plaint du comportement de certaines factions juives à son égard, et il part de son plan donc de foyer juif en Palestine, je le cite, « Quel est ce plan ? De régler le cas de la Palestine avec le retour du peuple juif au foyer et ce mouvement qui a eu un développement sans précédent en 6 ans, recherche en vain de l'argent. Pourquoi ? Parce que les grands financiers juifs sont contre nous, ils ont peur, ils n'ont pas d'imagination, ils ne prêtent de l'argent qu'à des engagements stériles. » Volume 3, livre 9, page 1201. Voilà, pour vous dire comme c'est blindé. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des rivalités internes entre clans juifs, et Herzl jongle entre certains banquiers acquis à sa cause et en guerre à couteau tiré avec d'autres. Mais ce qui ressort de ces combats dans ces milieux financiers, c'est qu'il est conscient que les Rothschild détermineront tout. Oui, parce qu'il est quand même très... on peut reboucler en fait sur ses passions à lui, c'est-à-dire que le fait que la famille Rothschild, donc j'ai bien compris qu'il y avait deux familles, une en Allemagne et une en Angleterre. À l'origine, il y a 5 familles Rothschild, mais ça qui passe lourd. Celles qui reviennent dans les notes, ce sont ces deux-là. Avec un bémol que j'apporterai après. Corrigé. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que Alors, d'ailleurs, vous allez répondre à cet élément technique. Des notes que vous avez sélectionnées, on a quand même l'impression que le fait d'obtenir le soutien des Rothschild, c'est pas uniquement une question financière. Pour lui, c'est un élément de validation de son rêve. Il y a quelque chose de plus que la pure question financière. Oui. Alors, ça ressort, en tout cas, c'est ce qui transparaît de vous. Je réponds à votre remarque. Je rajoute ce petit élément. Vous avez 5 fils Rothschild, donc il y avait l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. En ce qui concerne, essentiellement c'est l'Allemagne et l'Angleterre, il y a quand même un élément important, c'est que les Rothschild de Paris, c'était Edmond de Rothschild, et Edmond de Rothschild a été un des plus importants initiateurs de la cause juive avec la création en 1882, donc bien avant l'émergence officielle, d'un foyer juif, d'une cité à Richon-le-Zion, d'une communauté juive, mais il a dépensé des sommes colossales, et Herzl espérait avoir son soutien de sa part. Et en fait, Edmond Rothschild apportera son soutien à la cause sioniste après la mort de Theodor Herzl. Alors maintenant, pour votre remarque... Comment vous avez sélectionné les notes? Voilà, parce qu'évidemment, vous avez... Il y avait votre remarque aussi, vous m'avez... Je vous ai taquiné sur... Non, non, mais moi, je veux bien répondre à votre taquinerie. Non, mais ça nous reviendra, parce que oui, je suis sûre que c'est des questions, mais comment vous avez choisi ces notes? Parce que c'est une critique qui pourrait vous être opposée, que vous avez choisi des extraits qui allaient dans votre sens. Est-ce que vous avez comment vous avez sélectionné ces notes? Par exemple, les notes que vous nous restituez, vous nous dites qu'il y a combien? 2000 pages? Alors, il y a en fait total donc 5 livres de la fondation, enfin, lancés par la Fondation Herzl, 4 livres qui sont les écrits de Herzl, le 5e volume, qui est l'ensemble des biographies, des noms rencontrés par Herzl et donc le CV de ses personnages, plus très intéressant les codes utilisé par Herzl pour désigner tel personnage. Par exemple, le vieux, c'était le Grand-duc de Bade. Le sultan, il avait un code, donc Herzl avait ce code avec ses amis. Le sultan avait 3 codes. Bière, Lévi ou Cône. Et donc, ce 5e volume donne toute la liste. Donc, les éléments en fait, de compréhension des textes. Voilà. Mais vous nous restituez 200 pages, plus vos annotations. Donc, on n'a pas tout à fait 200 pages d'extraits d'Herzl. Donc, on passe de... 1600 pages, voilà. 1600 pages à 200 pages. Donc, vous avez bien dû sélectionner. Comment vous avez effectué cette sélection? D'abord, quand je dis c'est une lecture, mais crayon à la main, où il faut... En fait, c'est toujours comme ça que je procède. C'est-à-dire qu'il faut littéralement désosser le texte, page après page, et quand je dis page, phrase après phrase, dans ce sens qu'il faut extraire l'important... D'abord, une règle d'or. Je vais vous citer une phrase de Bossuet. Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ce n'est pas moi... C'est un reproche qu'on peut vous faire. Voilà, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de restituer le plus fidèlement possible à 100%, sûrement pas, parce que humainement, on n'est pas parfait. Mais au moins, si j'arrive à 95-96, ça sera déjà merveilleux. C'est-à-dire que j'essaye de restituer ce qu'a écrit Herzl, peu importe mes goûts personnels. C'est-à-dire que ma règle d'or, ne pas trahir la pensée de l'auteur. Et donc, lire et désosser le texte, crayon à la main, et puis en prendre des notes, et de graduer l'importance, et ensuite d'articuler. Parce qu'en plus, la difficulté, c'est ce que j'indique dans l'introduction, c'est que Herzl balance une information très importante, telle page, puis il passe à autre chose complètement différent, et 2 mois plus tard, il y a l'événement qu'il évoquait qui ressurgit avec un autre événement qui se télescope. Donc comment faire un suivi qui coule de source en sachant qu'il y a des zigzags, ça se recoupe. Croyez-moi, il y a des moments où tout en restant fidèle à... Voilà. Donc cet effort de scénario, vous l'avez réussi. Ça, je peux vous le confirmer. Disons, il faut être franc, on ne peut jamais à 100%. Mais disons que j'ai vraiment... Mon obsession, c'était si Herzl relit ça, il va dire, bon, c'est du résumé, mais il n'a pas trahi mes écrits. Restituer la pensée de l'auteur sans le trahir, par honnêteté, et avec les nuances, parce que là aussi, il y a des nuances. En fait, c'est de l'impressionnisme. Ce que vous disiez en antenne, qui était assez intéressant de votre part, c'est que vous disiez j'ai été bouleversé par la découverte de ces carnets. Ah oui, le verbe j'utilise, bouleversé. Oui. Et alors, parce que finalement, à la lecture de ces carnets, on se rend compte de tous les tiraillements interne à la communauté juive, aux communautés, je pense que ça serait plus juste de parler des communautés juives, de ces croisements, de ces entrelacements qu'il y a entre des questions de fidélité aux anciens, l'assimilation dans les nations, puisqu'il y a tout ce réveil national et on espère en fait créer des nations unies autour de ce fameux contrat social, de ces républiques ou je ne sais pas quoi. Et donc, à travers les notes d'Herzl, on plonge, et c'est pour ça que je me permets d'inciter auprès des auditeurs, dans la complexité de l'histoire. On n'est pas justement... états profonds. Je vais vous citer un exemple. Le fameux congrès, le premier congrès de La Haye, qui était un congrès en faveur de la paix mondiale, a été lancé officiellement à la fin du XIXe siècle par le tsar Nicolas II. Eh bien, grâce au carnet complet de Herzl, on apprend que le véritable, comme dit Herzl, si ma mémoire est bonne, l'homme qui a soufflé dans l'oreille de Nicolas II l'idée de ce congrès, c'est un conseiller de Nicolas II qui était un juif converti au calvinisme, mais, comme le précise le 5e volume, restait fidèle à l'idéal juif. et il s'appelait Bloch. D'accord. Et en fait, c'est très intéressant de voir que finalement, ce congrès de la haie pour la paix fin 19e siècle, c'est un juif, c'est le conseiller du tsar, juif converti au calvinisme. Mais ça, ce nommé Bloch, je ne l'avais jamais rencontré. C'est dans le 5e volume, Bloch. C'est comme le fameux congrès de Bâle de 1897, qui aurait dû avoir lieu à Munich. Et ces fameux rabbins, une faction rabbinique de l'époque, qui disait que c'est honteux que ça soit des hommes qui se sont opposés. Eh bien, celui qui a permis le choix de Bâle, c'est un juif suisse d'origine polonaise qui était membre du parti social-démocrate suisse et qui s'appelait Farbstein. Ben, j'ignorais tout ça, c'est dans les carnets. Oui, parce que c'est des noms qui ont disparu des mémoires. Et je rajoute quand même cette information vraiment très intéressante pour vous montrer que Herzl est un homme hors norme. Peu importe ce qu'on approuve ou pas, sa politique et son idéal. Le fameux congrès de Bâle, le premier congrès de 1897, je vais vous donner la citation et j'ai mis en annexe 4 l'original écrit de sa main en allemand. Parce que la fondation Herzl et les archives centrales sionistes ont publié dans les carnets de Herzl les originaux, enfin des extraits des originaux écrits de sa main. Donc vraiment le côté... Des copies. Les copies, c'est-à-dire ils ont scanné, si on peut dire à l'époque. Oui. Comment ça s'appelait ? Il y avait un nom pour ça. Ou photocopie, peu importe. C'est pas des photocopies quand on donnait des... En tout cas, ils ont restitué. Oui. Comme c'était scanné. Écoutez ce que dit Herzl en 1897 suite à ce premier congrès de Bâle. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Il le dit en 1897, pas 50 ans, 51 ans, 1948, création de l'État juif. Et j'ai mis l'original en allemand. Donc indirectement, c'est pour vous montrer l'authenticité des pièces d'archives que j'utilise, puisqu'ils avaient rajouté dans ce volume la page manuscrite écrite de la main de Herzl, où il dit « In Basel habe ich den Judenstaat gegründet ». Et toute la suite qui va avec. Et croyez-moi, ça fait un drôle d'effet. Et je me suis dit, ça sera en annexe, parce que ça, il y a le côté authentique. Certains diront, mais vous l'avez fabriqué vous-même. Bon, dans ce cas-là, on dit n'importe quoi. Oui et non, puisque a priori, la Fondation Herzl est là pour protéger sa mémoire. Et les archives centrationnistes. Ils ne vont pas inventer. Et j'ai donné les noms de l'époque. L'un s'appelait Neumann et l'autre Alex Bein. Voilà. Et donc, j'ai mis l'original en allemand. J'ai une question. Et il nous reste peu de temps. Il nous reste 5 minutes. Vous n'aurez presque pas le temps de conclure. À travers les notes d'Herzl, vous dites, vous le citez, où il dit qu'il est le fondateur de l'État sioniste. Effectivement, en tout cas, il est à la racine. Il a repris un idéal. Parfois, on a l'impression d'avoir affaire on en croise dans nos milieux des gens qui écrivent des projets sur un coin de table et pensent que c'est eux qui vont refonder la France, l'Europe, l'Église, peu importe. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, là, on a affaire à un idéaliste. Donc, il ne suffit pas de rédiger un projet sur un coin de table pour que ce projet trouve une incarnation. Il a réussi à transformer ce projet. Parce qu'il avait des relations, son milieu social. Et je vais vous citer la phrase de Bismarck. Theodor Herzl essaie de mettre Bismarck, le chancelier Bismarck, celui qui a donc fait l'unité allemande, dans sa poche. Bismarck n'a jamais voulu le recevoir. Simplement, Bismarck a commenté l'idéal de Herzl. Et Herzl reconnaît malgré tout le génie de Bismarck qui était réel. Bismarck a dit en parlant de Herzl que c'était pour lui, je cite, une fantaisie mélancolique. Oui, mais cette fantaisie mélancolique, elle s'est enracinée. Et Herzl, en fait, et c'est ça que j'ai montré et prouvé dans ce livre, a eu des rencontres avec les élites anglaises, allemandes, russes. Il est allé voir les représentants russes, Pleveux et Viteux. Pleveux, ça s'est très bien passé, avec Viteux, le représentant russe, ministre russe, et d'une grossièreté à l'égard de Herzl. À un moment donné, il dit Viteux, le ministre des Affaires étrangères ou des Finances, je ne sais plus, qui dit à Herzl, J'ai dit à Sa Majesté, l'empereur Alexandre III, Votre Majesté, si nous pouvions noyer 6 à 7 millions de Juifs dans la mer Noire, je n'y verrais aucun inconvénient, mais compte tenu qu'on ne pouvons pas le faire, c'est dans les carnets, et c'est en français, parce que Herzl, pour montrer la précision, Herzl dit que Viteux parlait mal le français. Il dit à un moment donné, Viteux, il y a des préjugés justes et des préjugés injustes à l'égard des Juifs. Et Herzl dit, il parle vraiment mal, parce qu'en fait, il n'a pas dit préjugés, il a dit il y a des préjuges justes et des préjuges. Voilà, vous montrez le degré de nuance et tout en mosaïque. Voilà, et donc c'est très intéressant de voir toutes les rivalités internes, les appuis entrés au lieu, les oppositions violentes, les bagarres. Mais Herzl a tapé aux bonnes portes. Entre autres, il a essayé de joindre Jacob Schiff, qui est un juif allemand qui a immigré ensuite aux États-Unis et qui va aider la cautionniste après la mort de Theodor Herzl, mais en fait Herzl, il a allumé, il a semé, la mèche est lancée, et c'est un homme hors norme. Quoi qu'on pense de son idéal, il est facile. Moi, cet homme-là, je suis vraiment heureux d'avoir lu ses carnets. Quand je dis heureux, c'est non, mais c'est une intelligence à l'œuvre, c'est toujours fascinant. Et de ces moments de déception, de joie, il a lancé un mouvement. C'est lui qui a permis la création, qui a lancé le mouvement qui allait donner naissance à l'État juif. Et j'explique ensuite dans une deuxième partie les relations entre nazis et sionistes, avec les difficultés, les points forts, les points faibles, et avec de nombreuses surprises. Mais ça, je laisse le soin au lecteur de découvrir ces informations toutes sourcées. 1h30 sur le fondateur d'Herzl, et nous n'avons que donné quelques citations. Je vous recommande, donc j'avais pris note pour vous des coordonnées de nos libraires amis. N'hésitez pas à les joindre. Donc évidemment, en premier lieu, la librairie Vincent, l'ancienne équipe de Faits et Documents. Vous pouvez les joindre au 01 42 03 48 52, donc la librairie Vincent. Profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à la revue Faits et Documents, puisqu'ils font un travail superbe de réinformation. Et puis, nos amis de la librairie française, auprès de qui vous pouvez commander par téléphone au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12, et sur le site internet. Mais ceux qui ont internet peuvent se débrouiller, et pas nos anciens qui n'ont pas accès à internet. Donc je donne la priorité aux coordonnées téléphoniques. Pierre Hillard, vous restez avec nous pour la deuxième partie, mais ça n'est pas vous qui en serez le héros. Je vous remercie pour l'effort de synthèse que vous avez fait. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. La patience avec laquelle vous avez répondu à mes taquineries. J'aime beaucoup. Non, mais la part, j'aime bien quand c'est tonique. J'espère, cher auditeur, que vous pourrez faire votre miel de ces fameux extraits des carnets d'Herzl, et que j'émets un vœu. Qu'un jour vous nous publiez l'intégralité en français de ces carnets traduits. Ah, ça, j'y pense. Merci beaucoup, chers auditeurs, dans 5 minutes.